Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour notre nouvelle série de Let's Play, tout simplement autour du jeu Black Sad Under the Skin, sous la peau. c'est un petit jeu de... comment je pourrais dire ça? Ça pourrait se rapprocher de Telltale, en mode QTA, etc, histoire, choix important. C'est principalement de l'enquête, ça pourrait être du point and click également, puisqu'il y a des indices à trouver, etc, comme une vraie enquête policière. C'est sorti de mémoire en novembre 2019, je crois que c'est développé par, ou édité par Microïds, je ne me rappelle plus. Et tout simplement, je ne le savais pas avant de lancer le jeu la première fois, mais apparemment c'est tiré d'une série de BD du même titre édité chez Argo, Dargo, en France, chez nous, les Françoises. Il dit n'importe quoi, c'est dimanche, c'est n'importe quoi. Bref, du coup, comme je disais, du coup, ça va être principalement du... de l'enquête, du point and click, il y a pas mal de dialogues, pas mal de choses, des indices à faire, effectivement, les liens entre les indices et tout. Et c'est franchement pas mal, je veux dire, je l'ai pensé la première fois où je l'ai joué, vraiment, et je pensais pas à ce point-là. Et vous allez voir, c'est vraiment spécifique, il y a de l'humour hyper noir, l'ambiance, bah, c'est l'ambiance détective des années 50, genre noir et tout, le mec qui est tout seul dans son bureau avec la vitre en verre, qui boit de l'alcool, qui fume, enfin, classique quoi, je veux dire, vous avez vu Jessica Jones sur Netflix, et ben, c'est plus ou moins la même chose, mais avec un chat, et oui, parce qu'effectivement, ce seront des animaux. Oubliez Autopsie les enfants, c'est encore plus poussé. Allez, du coup, je relance la partie, oui, je vais effacer ma sauvegarde, et c'est parti, mon kiki. Alors j'adore le thème parce que, effectivement, sur le menu, on voit un mec qui est pendu, on sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, le jeu, il commence vraiment comme ça, avec la meuf qui rentre, voilà. Qui fait quelques pas. Qui voit pas le mec qui est pendu. Elle va juste nettoyer. Oh, un pot de peinture. Et comme toujours dans ces histoires-là, on attend le cri de la fin de ménage. 3, 4, 3. Ah là ! C'est énorme ! Je trouve ça énorme. Didacticiel, non, parce que j'ai déjà fait. Donc j'ai pas besoin de revoir les touches du didacticiel. C'est vraiment, comme je dis, c'est un classique. La première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai fait, c'est quoi ce truc bizarre qui pendouille et tout dans le menu? Ah non, c'était bien le Maccabé, c'était bien le mort qui est là. Alors le jeu, comme vous voyez, ce jeu la manette, c'est assez plaisant en ce moment. Je suis pas mal sur ce genre de délire de jouer la manette parce que je suis posé dans le fauteuil, j'ai la manette et tout. C'est vrai qu'on pourrait dire, oh, bizarre, jeu manette sur PC, machin et tout. Mais ça passe, franchement. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup plus bizarre maintenant quand je retourne à un jeu qui me demande le fameux ZQSD... et tout, parce que littéralement j'ai plus l'habitude en fait. J'adore. Vous allez entendre péter des câbles dans ce... Parfois quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, ton détective? Ça commence! Tu vas rester les yeux l'un après l'autre! Toi, tu vas me donner cette photo, connard! Tout de suite! Sinon, t'es un chat mort, t'as compris? Quelle photo? Quelle photo? Justement. Moi et une jeune femme, il y a deux jours. Ah oui, c'était vous. Il me semblait bien que je vous avais déjà vu. Je vais te buter! Ok, on se détend le rhino. On se détend le rhino! Ça n'était pas la première fois que je... coup de boule, ça sera débile sur un rhino. Cela m'avait permis de gagner assez de temps. Tiens, dans les... là où ça... Yuck! Tiens! Et on se calme!
Oh! Donne-moi ça! Pourriture, tu m'as pété la mâchoire! Tu t'en remettras. Voilà, sorti à votre mariage. Toi, ma femme, je suis foutu! Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie! Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes? Mais j'avais pas l'intention de m'en servir. J'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai... Oh, le menteur! Vous avez vu comment il a regardé de travers? Je l'ai fait qu'une seule fois, bon Dieu! Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rentre dedans. Oui. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Oui. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise? Bousiller votre famille? Vous n'avez visiblement pas besoin de mon aide pour le faire. Ok, alors écoute ça. Tu me files ses photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille, et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond. Oh, ça marche. Eh, vous savez quoi, les temps sont durs. Mais me donner une chance de repartir sur de nouvelles bases. De diffuser des annonces dans les journaux, d'attirer de meilleurs clients. Ok, je dirai à votre femme que vous êtes réglo. Maintenant, disparaissez avant que je ne change d'avis. 3. Dieu merci. 2. Fais bon usage de cet argent. Et 1. Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. Ah putain. En premier lieu, une main en compote. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type très gentil. Vous allez voir... Il n'y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Oui, Jack a raison, c'est vrai. C'est moi, tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente. T'as le curry en costard, quoi. Elle est mignonne, ma petite. Oh, le classique. Alors ça, c'est pareil, le coup de la meuf qui vient, qui est genre propre sur elle et tout, puis qui se grille une clope dans le bureau du détective, c'est tellement un classique. Il ne manque plus que la petite musique jazzy, on a bon, quoi. On a le tableau, littéralement. Alors c'est marrant parce qu'elle est propre sur elle, mais elle fait pas riche en fait, hein, quand on regarde ses fringues. Alors, encore une fois, hein, du coup j'ai fait le jeu, je connais. Et encore, il y a des trucs que je crois qu'ils peuvent changer si vous prenez les différents choix. Mais... Du coup, oui, effectivement, je connais un petit peu l'histoire, etc. Donc, forcément... Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Okay. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Le lynx. Voyons si j'ai bien tout compris. Ouais, donc je disais, on va profiter effectivement de ce petit instant de pause parce que j'ai effectivement fait le jeu, mais encore une fois, moi je suis quelqu'un, c'est comme dans les parties de jeu de rôle ou quoi que ce soit, je fais pas de metagaming, c'est-à-dire que vous l'avez pas fait, je vais pas vous dire, ah, et du coup, et faire des trucs comme si effectivement je connaissais la fin, pas du tout. Je refais le jeu comme si c'était la première fois, littéralement.
Parce que là-bas, je comptais pas forcément le faire en let's play en fait. C'était juste un jeu que j'avais acheté, je me suis dit tiens, j'ai eu le temps, je vais le faire et tout. Et je l'ai tellement kiffé et poncé que du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse en vidéo, c'est juste trop stylé. Donc lui, c'est le père, si je dis pas Votre de conneries. père, Jordan, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. Ok, donc c'est sa fille. Alors, c'est très drôle parce que chaque fois que vous faites effectivement un lien, une connexion, que vous avez une information, vous le notez dans votre petit carnet, il y a le petit personnage qui apparaît en haut et qui note dans le carnet, c'est juste trop stylé. Bobby Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Ok. Mais il a disparu il y a 2 jours, Ah, c'est un pile le jour repayer. où votre père s'est donné la mort. Mmh. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Hein? Éclater les yeux. Oh, je vois. Alors déjà, Vous ne trouverez pas que mieux que moi, acceptez mes condoléances, est-ce que vous... Ouais, littéralement. votre père a mis fin à ses jours le jour même où son poulain a disparu. Pardonnez-moi, mais je trouve ça louche. Mais bordel, John, tu comprends que tu sois mort? Hey Jack, 2 secondes, on parle. D'accord. Mais on parle du Madison Square Garden, là. Les enjeux sont élevés, donc les choses vont forcément tourner au vinaigre en coulisses. Tout cela a un prix. Oui, monsieur Blacksad. Si vous retrouvez Yael et s'il participe au combat, je pourrai vous payer ce que vous demandez. Ok, nice. Alors là, avec le perso, j'ai insisté en fait sur le côté pro. Du détective et sur son côté, il y a de la thune en fait à se gagner parce que si j'avais accepté en disant vous inquiétez pas, mademoiselle, etc., un, elle aurait trouvé sa louche, deux, elle aurait pu prendre avantage sur moi et c'était absolument pas mon but. Enfin, tirer profit de moi, je sais plus comment on dit. Me prendre pour un con, littéralement. En mode, c'est une bonne poire, il aurait accepté de faire tout ce que je veux, etc., c'est un gentil. Et donc c'est les années 50, enfin 40 et quelques, je sais plus, enfin 48 ou 50, je sais plus, dans ce jeu, enfin dans le monde de Blacksad. C'est juste après la guerre, parce qu'ils ont eu la guerre aussi, comme vous voyez, c'est littéralement Zootopia, hein. Il y a des animaux partout, des lézards, des mammifères, des herbivores, des carnivores, des lions, enfin tout ce que vous voulez. Et vous avez ce côté années 50 qui est dedans, juste après la guerre. Et c'est super stylé, franchement. Parce qu'il y a plein de références justement à cette époque-là, ils ont adapté les trucs avec ben justement des animaux, un petit peu comme a fait Zootopia avec nos années modernes. Hein. Là vous voyez par exemple la gamine qui joue du tennis et tout, etc. Je sais que vous êtes déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé, mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment. Ok. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Tant Et je pis. vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. Putain, le mec, c'est même pas un bloc-notes qu'il a, c'est un putain de cahier, quoi. Ok, donc lui poser des questions, ça serait pas trop utile. Ah, tiens, quelque chose à C'est voir. Dan? Waouh. Apparemment, Jordan était un musicien. Ok. Alors, normalement. Alors, c'est pas comme ça. Putain, pardonnez-moi. Comment ça déjà? Ah, voilà, c'est ça, le carnet. Alors, je vais vous montrer comment ça marche un petit peu, parce que je vais faire ça assez rapidement. J'ai pas envie de passer trop de temps en fait sur les trucs. Comme vous pouvez voir, du coup, il y a différentes informations qui arrivent sur. Merde, je l'ai fermé.
Voilà. Alors, je disais, comme vous pouvez voir, à chaque fois, il y a différentes informations sur les différents personnages que vous rencontrez. Donc là, le Rhino qui trompe sa femme et qui j'ai accepté le pot de vin. Ah mince, j'arrive plus à... Désolé, j'arrive plus à naviguer entre les trucs. Donc, je disais, le Rhino. Le copain Chuck, qui est un vieux pote. Boxer, apparemment aussi. Wow, le gorille en short. Priceless. Bon, ok. Bref, vous voyez comme quoi il y a différentes informations en fait qui sont rentrées chaque fois que vous parlez à quelqu'un. Un petit peu comme dans les Telltale, vous savez, quand il y a le truc, s'en souviendra quoi que ce soit. Et là, en fait, il note tout, lui, mais vraiment tout. Bon. Alors, voyons un petit peu. Gagner, ce n'est pas tout. Le tout, c'est de vouloir gagner. Ok, donc le mec, il était quand même adepte de la pensée positive. Un peu chelou qu'il se soit suicidé. Mais bon, après, ça se trouve, il y a des problèmes, hein, on sait pas. On sait que son poulain s'est barré. On sait pas si le poulain en question, il est venu lui parler avant. Dans tous les cas, effectivement, il s'est pendu. On sait pas si le poulain s'est tiré avant ou après que le mec se soit pendu. Dans tous les cas, c'est Qu'est-ce qui peut peut-être bien une... pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Un nouvel indice. Voyons les indices. Oui. Chaque fois qu'il réfléchit au lien entre les trucs, voilà. Donc ça, c'est que vous verrez effectivement que ça marche comme ça. Donc chaque fois qu'il y a des indices que vous avez, vous pouvez lier avec d'autres indices. Donc là, j'ai que celui-là. Mais là, effectivement, il y a un truc de louche. Déjà, moi, si vous voulez, quand je vois les trucs, voilà. Enfin, c'est vrai que le gars, il a l'air de surdoser les messages positifs d'entraînement et tout, mais je veux dire, s'il pense comme ça, c'est assez chaud de penser qu'il s'est suicidé. Après, honnêtement, on sait pas. Il avait peut-être des dettes de jeu, il a été peut-être dans une affaire louche, etc. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Ok, merci Blacksad. Alors, voyons ce qu'on a ici. Oh, la peinture. La peinture renversée. Est-ce que l'étagère a pu renverser le pot de peinture? Non, ça a l'air plutôt solide, c'est pas tombé de là. En tout cas, c'est pas tombé naturellement, nous dirons. La surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Don. Tâche de peinture, intéressant. Peut-être son meurtrier, il y a marqué dans le... Ça a l'air d'être des pompes de mec. Pas des pompes de meuf, donc c'est pas la femme de ménage. Mais la femme de ménage, il faudra lui poser des questions aussi. Voyons un peu ce qu'il y a. À fouiller là-dedans. Alors, faites voir. Oh! Ok, je vais même pas m'emmerder à commenter là-dessus parce que c'est assez peu fin. Ouf. Casier, ouais, fermé. Verrouillé. Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Merde. Ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. Non, pas de suite. On a encore pas mal de trucs à analyser. Oh Le la cerveau des racistes vache. déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur, avec un succès très relatif. Ok, graffiti raciste.
Ça, on y reviendra quand il abordera le sujet. Donc, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Tellement stylé ce personnage. Alors. Travailler avec la succès. Vous voyez, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, ok, c'est une chose d'avoir un entraîneur qui pousse ça dans la tête de ses champions pour les forcer à s'entraîner un petit peu plus. Les traces sont par là. Allons voir. Voilà, il n'y a pas enfin. Ouais, non, il y a. C'est des trucs d'automotivation, ça. Je veux dire, ok, le mec qui pouvait effectivement faire une foule des primes à cause de ça, parce qu'il est obligé d'afficher une pensée positive vis-à-vis de ses athlètes et tout. Mais. Des traces de pas vont dehors, intéressant. Il a plus de traces de pas. Ok. Je vois rien du tout. Oh! Tiens, tiens, tiens. T'as l'air d'avoir un sacré bric-à-brac, toi. Discours sur une égalité, pourquoi pas, ça. C'est un gars qui veut lire. Mais l'extension de pectoraux me paraît plus curieux. Oh, attends. Bonjour, mon brave. Attends, c'est un aveugle? Ok, Bien alors le fait qu'il ait un bonjour bouquin est encore plus chelou. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur. Étiez-vous ici dimanche après-midi? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Ok. Ok, toi tu fais dans le donnant-donnant, sinon t'es dans le sarcastique. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ah ben ça, oui. Poussez-vous donc, vous me bloquez la vue sur ce magnifique coucher de soleil. Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Ok, on ira après parce que. Du coup, je sais que la. Ils ont dit. Je crois, attendez, si je fais pas de conneries. Que la. Marie Purnell, c'était ça. Elle bosse au dîner, c'est ça. Donc je pourrais probablement choper de la bouffe pour Toto. Parce qu'il a peut-être pas vu les trucs, mais c'est un aveugle, il a peut-être entendu quelque chose. Mais j'ai pas fini effectivement d'analyser. Là j'ai analysé le gymnase, maintenant j'aimerais bien me pencher un petit peu plus sur. Sur les à côté. Il y a un accès au toit, ça je l'avais vu. On va essayer d'aller le voir. Pas grand chose. Tiens, tiens. Donc soit la petite a eu un rendez-vous galant, soit c'est le père qui avait un rendez-vous galant. Un bon coin pour espionner Sonia. T'es en 5 minutes. Mais à part ça. Non, je crois que c'est de la peinture.
Bon. Ça, c'est la ruelle où il y a le clochard. Enfin, le sans-abri, pardon. Ok. Tiens, qu'est-ce qui est marqué? Ok, bon, ça, c'est fondé en 43 par... Il l'a ouvert pendant la guerre? C'est curieux. Tiens, oui, c'est marrant. Ok. Bon. Bon. Mary Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Jordan, travaillait à deux pas du gymnase. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à... Hé hey, regarde où tu vas, connard. Je vais te coller mon poing dans la gueule. Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher. Mais va te faire foutre. Rends ta sale gueule dans le coin. C'est qui ce connard? Et comme vous voyez, c'est très 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 cru, hein, comme genre. Y a pas de... on se cache pas. Ding ding. Bon, ça c'est le tram. Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Diner. Oh. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir? Mademoiselle. Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Elle a tiqué. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille. Peut-être plus tard. À vos souhaits. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Très bien. Commençons par l'éléphant dans la pièce. Parlez-moi de Jordan. Discutons encore un peu de Jordan. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Mm-hmm. Je passe nettoyer tôt le matin, avant l'arrivée de Monsieur Dunn. Vous avez donc les clés du gymnase? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre, et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vu, pendu là-haut, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police, et je suis sortie pour les attendre. Désolée, c'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Donc c'est elle qui a appelé la police, Warden. Donc il y a peut-être un truc avec la police, faudra voir après. Muté comment comme patron? Joe Dunn. C'était quel genre de patron? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Ok, il y a quelque chose de fichu là-dessous, mais on va laisser couler. Comment était Dunn en dehors du travail? Je ne saurais dire. Je ne le voyais qu'au gymnase, ou bien ici. C'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien, tous ceux qui l'ont rencontré. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps.
Solitude, peut-être. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui, je sais pas. Oh. Peut-être que si. C'était il y a longtemps. La façon dont elle a tourné la tête, c'était plus que suspect. En mode, je sais pas. Et avec sa fille? J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Parle-moi un peu de la fille. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn? Oh, je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. La pauvre petite. Et Jake? Que pensez-vous de Jake Osturmbe? Qui ça? Un gros gorille, boxeur lui aussi. Un ami de Jordan. Ah oui, je le connais à peine. J'aime pas trop sa façon de me regarder. Comme beaucoup, madame, comme beaucoup. Parler de son travail, ça me paraît hyper con, parce que du coup, il y a son patron probablement qui est là. Mais on va essayer. Pourriez-vous me parler un peu de votre travail? Lequel? Au gymnase, on parle du gymnase. Depuis combien de temps travaillez-vous au gymnase? Ça doit faire quoi? 4, 5 ans? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navré. Parlez-moi de votre travail ici, au diner. Oh, c'est merveilleux ici. Vraiment, j'adore. Mon patron. Ouais, je note. Tant mieux, tant mieux. Tu travailles ailleurs? En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça? Je n'aurai pas le temps. Enfin, je suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. Vous devriez peut-être éviter de vous rendre au gymnase, du moins pendant un ouais, certain c'est... temps. Ce serait probablement mieux pour vous. Avec le temps, ça passera peut-être. Joey disait la même chose. Joey? Possible. Je sais pas trop. Merci. Ok. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Yale? Comment pourrais-je le savoir? C'est assez rare qu'il soit là. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Ok. Tu connais à peine quelqu'un pour lequel tu bafouilles. Peut-être qu'il lui a fait peur. Peut-être qu'il lui a fait peur. Le plan peut-être pas, mais peut-être qu'il lui a fait peur. Bon, ben, file-moi un hamburger. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec ou sans fromage? C'est une chèvre, donc je dirais sans. Sans, ça ira bien. Vous prendrez des frites? Une boisson? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un burger à emporter, Sam? Ouais, ça roule. Ah oui, alors ça, c'est un truc spécial, en fait. De comment ça s'appelle du détective qui lui permet de d'analyser certaines choses. Son écriture est propre et belle. À certains moments, en fait, il peut se concentrer sur. Sur certains points de détail. J'ai l'odeur là. Un parfum de cannelle. Non. De cannelle et de hamburger. Et du coup, ça lui permet de recueillir des indices supplémentaires. Votre burger est prêt. Pas mauvais, au fléchette, le garçon. Tiens, mon grand, c'est pour toi. Bon. Je vous laisse savourer votre repas. Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi?
c'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Non. C'était sympa, mais ça manquait un peu de fromage. Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours. C'est ça. Intéressant. C'est ça aussi, c'est un classique du film noir de détective. Un SDF vous donnera toujours des infos. Parle-moi de la première personne qui est passée. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Ok, la seconde personne. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre « Pauvre petit connard ingrat ». Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce. Non, mais j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Ah, ok, d'accord. Je touche à l'hôtel des mille étoiles, moi. Vache. Il a atteint le papier. Ok, la troisième personne. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière? En jugé par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le diable aux trousses. Ok. Par ordre d'élimination, je dirais que le quatrième, ça doit être juste un témoin qui est rentré et qui a vu le corps et qui s'est barré en courant. Mais par contre, dans les trois, il y en a un qui avait un flingue, mais d'un autre côté, l'autre, il n'est pas mort, pas de balle. Mais c'est quelqu'un qui voulait absolument pas qu'on se... qui était prêt à buter le SDF pour pas le voir. Donc c'est probablement le troisième ou le deuxième à être rentré. Le tueur. Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot. Un extenseur de quoi? Un bidule à trois ressorts. Oh, le bidule à ressort. Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière. Ok, quelqu'un qui a... Je me demande ce que ça fait d'être aveugle. Serais-je capable de tenir le coup? Aveugle et Kujat, comment fait-il pour s'en sortir? Mais il a l'air d'être quand même plutôt malin, garçon. Aveugle et Kujat, comment fait-il pour s'en sortir? Ah merde, j'ai déjà vu ça, ok. Autant pour moi. Tiens, c'est quoi ce tonneau? On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Ok, il me reste un truc. Sauver. Aurait-il été conducteur de train? Peut-être. J'y ai pensé en voyant sa casquette, mais je me suis dit qu'il l'avait peut-être récupéré. Parlons du pot de peinture qui est dans ton truc. D'où sortez-vous ce pot de peinture? De la benne, derrière. Un pot de peinture et un bidule à ressort. Quelle soirée! Merci. Ce sera tout pour l'instant, merci. Hmm.
Les extenseurs de pectoraux, je dirais que c'est pas du matériel que tu laisses traîner à proprement parler. Donc, à mon sens, ça doit appartenir à quelqu'un. Si j'ai mon rossignol, je pourrais fouiller les casiers et savoir à qui il manque le truc, et ça donnera peut-être un indice sur qui a buté le. Si c'est pas un. Si c'est pas un suicide. Parce que je me dis que le balancer dans la veine, pourquoi? Dans la veine, pourquoi? Il n'est pas pété. Il est fonctionnel en fait. Bon, on va aller récupérer notre signal au bureau, déjà. Merde, j'ai oublié de regarder des trucs. Ouais, c'est pas grave. J'ai oublié d'aller voir si la petite. Elle avait des. Questions. Mais en même temps, j'avais. Désolé, j'ai oublié mon matos détective à la maison. Elle m'aurait pris pour un gros bouffon. Ce bruit des téléphones dans des années 50, j'adore, ça fait vraiment classe, je trouve. Info au numéro ou quelqu'un qui essaie de m'intimider. J'espérais que ce n'était pas un client. Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ok. C'est fait. Pire. Du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table. Oh merde. S'il faut que je fouille dans le bordel qui est mon bureau, ça va pas être de la tarte. Surtout après le passage de l'autre sanglier de Rhino. Mais bon, voyons, on va voir. Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné? Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre de toute façon. Natalia, oh. Je vais sûrement être alcoolique, j'aime bien ça. Petit conseil pour les aspirants détectives, faire croire qu'on a un problème d'alcool. Les clients adorent les stéréotypes. Cet tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce Rhino s'est pointé. Ah. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. Pas con. Parfois, je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye. Alors, continuons à fouiller un petit peu. Ce bon vieux Weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Ouh, Il monsieur Colbert! sera ravi d'apprendre combien notre sujet a consenti à nous payer en échange de notre silence. Je me demande si ce Rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Je sais pas, t'apportes pas un flingue pour le honnêtement. Mais les jolies photos compromettantes. Bon, ça ne dit toujours pas où est mon putain de rossignol. Ouais, c'est là que j'ai laissé mon rossignol. La compta n'est pas mon point fort. Je suis doué dans la catégorie dépenses, mais côté revenus, ça coince. Attends, c'est quoi qui est marqué? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Attendez, juste me concentrer sur. Alors, actrice célèbre trouvée. La célèbre actrice Natalia Wilford a été retrouvée assassinée à sa maison. Sa femme de ménage l'a trouvée morte ce matin. Une étoile était et s'est éteinte. Ok. Donc super connue la meuf et lui il a des sentiments pour elle. Est-ce que on sait quelque chose? Est-ce qu'il y a une note sur Jock Blasphade?
Non, il n'y a pas de note sur John Baxad. Donc fiancé ou fille qu'il n'a pas réussi à sauver. J'aime bien quand on en apprend comme ça sur les personnages. Ok, il était dans l'armée. Il a fait la guerre, a priori. Probablement traumatisé. Whisky, je crois que bah, ça fait quand même deux bouteilles. Hein. Ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnov l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être payé. Le commissaire Smirnov a fumé cette cigarette. Oh. À en juger par la manière dont il l'a écrasé, il devait être assez nerveux. Donc du coup, on a des liens avec le commissaire, c'est bon ça pour nous. Bordel de bras trop court. Allez, les muscles, les muscles. Le téléphone, bordel. La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Ça, c'est bien vrai. C'est clairement intelligent, en plus, comme remarque. Bon, le téléphone... Ouais, bah, ça va. Où t'étais passé, John? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. Allez, je fais mon boulot. Prochain arrêt, l'appart de Bobby Yale. Ok. Mais essaie d'être un peu plus communicatif. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. C'est quoi ça? On est dans la mafia ou n'importe quoi? Bon. Bon. Est-ce qu'on peut passer des coups de fil d'ici ou pas? Commencer par le commissaire. Smirnov. Joe Dunn, l'entraîneur de boxe. Vous savez quelque chose à propos de sa mort? Blacksad, c'est vous. Gagné. Alors, ça roule, chef? Non mais j'en ai rien à foutre, je veux juste accès au dossier. Ouais. Vous savez que je suis tenu aux obligations de confidentialité client détective. Et vous savez que je suis tenu à la confidentialité. Bon, bref. Si vous tombez sur quelque chose de pertinent, ou bien si vous vous sentez d'humeur un peu plus loquace, rappelez-moi. Au plaisir, John. Ah merde, je crois que je l'ai fait chier. Est-ce que je réessaye de l'appeler? Bon, on va essayer de rappeler. Me serais-je montré un peu dur avec Smirnov la dernière fois? Je devrais peut-être le rappeler et me montrer un peu plus coopératif. Le mec qui est stressé et tout, je lui ai sorti... Allez. J'ai besoin de soigner mes contacts dans la police. Salut, c'est encore moi. En fait, la fille de Jordan m'a engagé. Ok. Merci, John. Mais je ne pige toujours pas. Vous êtes tombé sur quelque chose de louche.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce type aurait pu vouloir se tuer. Le gymnase ne lui permettait pas de rouler sur l'or, mais l'un de ses poulains était en bonne voie, au point de se retrouver au Madison Square Garden. Dans la vie, il n'y a pas que ça. Ah, c'est New York, du coup. Nous avons tous de noirs secrets, John. Pas vrai? Est-ce que vous comptez m'aider? En quel honneur, monsieur obligatoire. De toute façon, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à partager. D'ailleurs, vous non plus. Enfin bon, si vous tombez sur quelque chose, passez-moi un coup de fil. Vous mettre redevable, c'est un peu trop... Nous sommes amis depuis longtemps. Est-ce que vous croyez que c'est de ce genre de choses dont discutent deux amis au téléphone? Ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, John. Bye. Bon. Ah non, on va pas le rafler encore une fois, ce serait... Allez, Weekly. C'est lui qui m'a tiré les photos de... du Rhino. Salut Weekly, c'est... John, t'as reçu mes photos? Oui, et... Il en avait une grosse de corde. Et la fille? Nom de Dieu. Hé, tu veux que je te trouve son nom? S'il te plaît, allez! Non, Weekly, écoute. Le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole? Plutôt la deuxième option. Ouais! Bien joué, mon pote! La moitié de l'argent te revient. Ah, c'était quoi le nom? Dunn's Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas? Tu crois que je pourrais lui parler? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. T'imagines? Oh, le lourd. En fait, je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase. Je verrai ce que je peux faire, ok? Je t'appellerai. Merci, mon pote. C'est vraiment sympa. Ok. Dernier numéro, c'est qui? Madame Colbert. Ouais, on va appeler Madame Colbert. Le rhino est un connard, mais un contrat est un contrat, on va dire. Allô? C'est Black Sad. Vous n'avez pas à vous en faire, Madame Colbert. Alors faites-moi plaisir et profitez de la vie avec votre famille. Oh, Dieu merci. Merci, Monsieur Black Sad. J'aurais pu l'enculer et faire genre votre femme, enfin, votre mari vous trompe, mais honnêtement... Salut Ray. Salut, c'est qui? Devine, je t'ai déjà donné un indice. Je connais ton prénom, donc... Donc, ça veut dire... je sais pas. Ça veut dire que je suis un détective. Même pas vrai. Mon tonton John, c'est un vrai détective et il est vachement plus fort que... Tu m'as eu, Ray. Bien joué. Eh, j'ai gagné quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je voudrais... un pistolet! Bam, 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 bam! Nous, les gentils, nous ne portons pas de pistolet, Ray. Parce que nous savons que les coups finissent toujours par partir. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont vachement classe. Oups, voilà maman, au revoir! C'est comme ça que tu dis au revoir à ton oncle. Bisous, tonton John! Oh, c'est trop mignon. Quelle bonne surprise. Comment tu vas? Salut, Donna. Eh ben, j'ai encore du mal à oublier. Natalia, patience, John. Le temps finit par guérir toutes les blessures. Ouais, c'est pas faux. Bon, on est un peu pressé là. Réa, rendez-vous chez le dentiste. Je te rappelle bientôt, ok? Tu m'en veux pas? T'inquiète.
Juste un dernier truc. Ray, dépêche-toi, faut y aller là. Je t'aime, petite sœur. Moi aussi je t'aime, frérot. Oh, c'est trop choupi. Je pensais qu'on aurait des infos. Honnêtement, je pensais pas que c'était sa sœur, je pensais que c'était sa mère. Mais je pensais qu'on aurait des infos sur pourquoi, qui est Natalia, comment ça s'est passé et tout, si c'était vraiment une cliente ou sa femme, sa fiancée peut-être. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Eh ben vous savez quoi, je pense que ça va être une super opportunité pour s'arrêter là. Ouais, je sais pas combien de temps ça va durer honnêtement la série, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois qu'on a déjà atteint presque l'heure. Ok. Et ben voilà. Et ben du coup on va s'arrêter là-dessus. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Donc on va continuer ça tranquillou jusqu'à la fin du jeu tout simplement. J'essaierai de faire des trucs un petit peu comme Vampire j'avais fait, donc 2 par semaine, je pense que c'est pas mal. Et puis toujours dans ces espèces de petits formats, disons 1h, 1h30 grand max, quoi, ça, histoire que ça arrive. Donc l'avantage de jeu, c'est qu'il a des points spécifiques où je peux m'arrêter comme un petit peu Vampire, donc c'est assez facile de faire. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir, du coup, c'est très très, comme j'ai dit, Détective Noir, c'est vraiment, elle est noire, pardon, ce genre de film, ce genre de jeu des années 50, etc. C'est vraiment super stylé. On avance un petit peu l'enquête, on découvre pas mal de choses, et puis on verra vous ça nous mène, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente continuation, et puis surtout, donc, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao.